e to e nder yontere nden haray no wodi ko woni une actualité brûlante ou bien haray de mari goddum ko tawata haray si tawi en memminali seeda wawetake famede ko hondum woni hande do eden mari toɓɓe nayi e kuntoye toɓɓere meɗen nayi a ɓerde nden wiɗen ɓawte kañum monsieur Alpha Condé artude ka leydi o ari o tawi cadre ɓe makko ɓen ka parti RPG arc-en-ciel sina wonɗo wo ka kaso ko on mo tawata haray fewdo ɗo ina hulana fi hewtinoygol ton ko ɗum woni haray ko hana habbede joni non o ari o hewtiti par ce que eɗen gandi ari congrès waɗama goɗɗo waɗa provisoirement comme hoorejo kañum parti RPG arc-en-ciel on joni non jongalle ɗen kañum arti ko honno non joni wiwnoɓe rona e sonnajo on han joni ɓe falamo ronude ko ɗum woni haray ko wonɗen e darude no jaboroɗen ɗo. Deuxièmement, ku yiden audition de monsieur deuxièmement bataille du collectif des avocats de monsieur Kassori Fofana fino be wawa haraya hettade ko woni cippirgol mabbe gol partager mo jalla min wan sangare mi salmini ma tijani so e kalabem e Côte d'Ivoire yon harayon salminama widen cippirongo tawata collectif avocat be monsieur Kassori ben tawbe ben iwno ben extérieur ar non tawti wombe ben ka leydi mede lagine ɓeɗo fof no cippirde fi noɓe hettoro kañum monsieur Kassori e ɓeɓe wondi e muɗum ɓen fof ka kaso nder ton ko ɗum woni haray koɓe hanuno waɗugol ko tawata kon haray si ɓe waɗino ɗum ɗon haray soñdia mabɓe on iwino Alpha Ousmane bindi haray mi salminima toɓɓere tammere nde wiwɗen audition mo tawata monsieur Kaba on fof en yi e nder ngal ñallal talata ɗo ngal tawata monsieur Kaba jeyɓe ɓen ko fi anan tawɓe ɓen ko kamɓe ardi o parti wiyeteɗo PADES hande ɓe nodditano kamɓe kadi ka sandar mori ton ɓe yewtida e muɗum seeɗa ene konko tawata haray waɗi ɗon on iɗe gandi asewe ɓe fokkitono yawgol e avion mbinaɓe jawata ton harayɗe wawi yuɓɓidirde ɗum ɗon kon ɗum woni tigi tigi woni ko tañjiniɗen ɓe yewtidama ton e muɗum yer ko humpiti ɗen kon kon ɗum woni ha kamɓe kadi haray koɓe habbora joni noon ka CRIF ɗo toɓɓere nayaɓere nde wiwɗen o insécurité ko ɗum woni ka tawata haray fureji yimɓe ino hawrede e muɗum e cuuɗi ka woni e huɓɓirde ni e nder saare nden e nder leydi lagine ndin e yeggitali kañum kadi koye boboye taw koye ino doolede ha gasa kadi koye warema koye wonkoye doolede ronke warede ɗum ɗo fof wiɗen ɗum ɗo en mofti ɗum ɗo en wi ko ɗum wiyete insécurité hande ka fewndiɗen ɗo ko hombo hani wiyede haray ko kañum hani tambitade ɗum ɗo ko jongal leɓɓen ko citoyen ɓe tawata haray ko sifa mum sifa min ka ko kañum laamiɓe ɓen hanuno wattande yilay ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo woni toɓɓe nayiɗe marɗe nden iɗe mari ton noon kumtoye toɓɓe ko tawata haray kono wonɗen e yarde noon daareten si wawa hejjidude mi tawi ke noon Allah newnanɗo en on yen wawa heyɗintinde nde jonde meɗen ɗo yo newnan en seeɗen ɗo e hoore jamma noon arɓe ɓen ɗo tawɓe ɓen haray iɗon andinini jemma o leeri sengo ka moɗon wontirɓe ɓen haray Asie on iɗen andi ko tumbere jemma particulièrement wontirɓe ɓen Chine e Shanghai haray particulièrement iɗen salminaɓe en toraniɓe Allah yo ɗi mesure de confinement ji waɗaɗi hoore mabɓe yo itte hoore jaam haray en torike Allah nde ɗon iwa ɗo annede marɗo nden hara Allah ittani on nde yo sabbinɗinan o wufinanmi konko ɓuuri hawridude sawaba mi fufa ɗum ɗo e moɗon mi yettina ɗo ko tawata haray no nafa en adna e lahara o waɗanan onon kadi nafa ko ko tawata on hiiri ɗo iɗon darodera maɓen ɓe tawata haray ko ñalorma semmugo amérique du nord on ɓe tawɓe haray woɓɓe no yiwti pettanafugol haray ɓe fowtaki taw ko saɗi mabɓe ko tooli ka yewtere meɗen ɗo en toriki Allah yo Allah jaɓan en ko wonɗen hoorde kon o jaɓana en ko wonɗen e ittude kon kañum kadi sadakaji o jaɓana en kañum kadi ko wonɗen e juulude kon o jaɓana en kadi duwaji meɗen ɗin o waɗanon baraji ko wonɗon heɗidade lan ɗo kon si ɗum ɗon noon haray mi hawrite sawaba yettemo kanko Allah saabu haray kanko woni ko moƴƴi e meɗen si ko axe muɗum noon haray ande neɗɗo on inawtimoɗo ko faljo haray onon on lellitana en ko komin e yewtude ɗo en torike noon Allah yo Allah woɗɗin seytane ka jonde meɗen ɗo amin ya Allah donc nous allons commencer aujourd'hui notre direct de ce soir en évoquant quatre points et quelques divers. Le premier point, nous avons dit après le retour du champion du RPG pendant que les cadres sont soit en prison, soit dans le viseur du CNRD, à quoi faut-il s'y attendre ou bien à quoi faut-il s'y attendre? Voilà le deuxième point de notre direct de ce soir, 12 avril 2022. Intitulé Bataille du collectif des avocats de Doncas, entendez bien, monsieur Kassori Fofana et compagnie, pour blanchir ses clients, quelle serait la bonne démarche à adopter? Donc, un conseil gratuit que nous allons prodiguer à ce collectif ainsi qu'aux militants du RPG Arc-en-Ciel. Troisième point, audition de monsieur Kaba auprès, après qu'il lui soit refusé ou interdit d'embarquer dans un avion le samedi dernier. Que reproche-t-on au fondateur de la première université privée de Guinée, donc Kofi Annan?
Quatrième point, insécurité avec la flambée des cas de viol suivi de meurtre en Guinée, sans oublier le cas d'incendie à qui incombe la responsabilité. Et dans les divers, nous allons essayer de voir si le temps nous le permet, nous allons avoir quelques divers que nous allons évoquer. Asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui encore ça va flinguer, nous allons encore vous donner des dessous et aussi vous donner quelques conseils qui pourront éventuellement vous servir. Partagez très bien la vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore évoquer ces points. Haraido info d'autres taux yoterending et français by mi doande haraido fala behedita de yoterending taux et poulan nomi wiri non si arenon et top behedi de ding. De gandi un yido info kotawata monsieur Alpha Condé weekend fait du nord londo de mi kebe adbi heutiti lady la Guinée. De gandi non fait monsieur Alpha Condé wono kajana niri. Yimbe buy yalto no inni kanyum kadi no fala haray ardade hore parti on congrès ay wadi motawata adino do hore mudum on innado on jojjinama ko ardo haray parti on ko kanyum monsieur Kassori Fofana ay de ngandi no bayna en juti yewtere den e wiuno ko ko wona ay wadede don wadete tu woni fi yo ha CNR de wawa andude ko hombo be fala hikinde yeso be mobe hendo onti hande do alhali yo jonni en gonga e konko wolen don en juti dala yewterne don ko don tonga re tobbe re kadi de me fala re yo humpito moja de tawata no gasa watanaka ila imu moja me de tawata ino hani ka hakil bendine e mayre monsieur Alpha Condé andugol makko wonde ma lamu makko ngungu yarde follere mo fala andude kombe woni ben cadre be makko e dero alliance arc-en-ciel mo wadi tawbe ben ino nun dani mo ben tawbe ino jokkiri mo fi goddum ben tawbe kanyum kadi ara jamfike mo ko ko wadi do monsieur Alpha Condé ko mawdo tawdo haray mo joji mo tan mo andi ko no hendorta ben tawbe haray no takko makko o yido woni ka jananiri do mo jabali yeta golbe ko mbo haray ardoto ko mbo haray lontoto mo ka julere makko enani be inna si anani bappa hino sonka ko haray ko baba woni alaka del galle ton sinadu ngala ko sonkiri bappa on yeso babirabe be monsieur Alpha Condé hande do non de yuno andi ko hombe tawata ara yalti ka alliance mabbe parce que de ngandi cadre be buy sina on tawdo inni wi e der alliance on ton ko on tawdo créer parti mudum o yalti ni kete no tawa mabbe wana monsieur oye gola gola oye ya oye gila vogita o don ara o yalti ni parti makko politikon et monsieur kanyun kadi Sankom monsieur Malik Sankom taw don kanko kadi o yalti e der alliance on don dun do ara yaltu be ben ça va ha jusqu'ici mais taw be ben ara lutti ka der parti don mais taw be no cippirde fi ron gol ma lol ke tangoti yo mayali o geri o andi ko hombo woni hombo jonno o arti o yay non barde wonde arde do den famoto non ko no tawi ko ko ne wadde ka CRIEF do e ko ko tawata ko fop hande do cadre be hebi so njay mudum hay sen commentata moja parce que no wodi piste mo wonde yaade mum ma keten tawa o gayna bendude moja o nganday do non ko honno tawi dum do fo gayni wadude CNRD ko honto CNRD o woni di mesh kanyun e monsieur Alpha Condé e ko ko ne wadude ala kulli hal ça fait notre bien, ça nous arrange, ça arrange aussi le paysage politique, parce que monsieur Alpha Condé wa winu andu de ko hombe woni ben nun dan nobe mo fa no wonno de ngi yewtude do wi'e yo watta yila ko woni wadde ko yo frenu ontuma wobbe siko no haray ko ngayngu makko mi wonno e wadde hande do non kanko tigo andi burbe ben ngarno yewtiri baawo makko ko fi goddu ngari yewtirno baawo makko mako hulanno ko julere makko ne bay no joni o arti do o ari o tawi be cadre be makko wobbe no kaso wobbe kanyun kadi no fokkintina ton hande kadi non ko ndungo wadata do so nanino nyande go wi no kin va pas laisser le pays dans les mains de bandi ina part na class politique opposition on tumo fandi no yewtu go monsieur Alpha Condé ino décidé do kanko kadi bayo yi o andi ko ndu woni hondum kombe nyami mo mbudi e ko ndo wonata ray deuxième point meden on mutawata o bataay mo ndo ngeyide do kanji didi yubondiri beto be fu ino ka CRIEF do mi wawla mi filito kanyun kadi mi yeltito to do ngi français conseil mo jonnata bembe ka RPG arc-en-ciel wota be nangu sonjugol bonna mbudi mabbe innugol be adday avocat be si be fala be adday do avocat le plus chevronné au monde be addi be do ko CRIEF on fokkintini do kom e wolino gibe ka fuddo de normalement si CNRD on ino nundu no net ka cipiro mabbe sakite mo ja yewtere nen ko kom ko bataay mo be duano cipiro ngo be duano wadde ngom ko contre les crimes de sang ina contre le crime économique mais puisque mbudi hino lanniri be be fala hetere mudi din par tous les moyens o yi ko crime économique jini woni ko be memmini din non crime économique ji kadi kala jettaro na ba ka der ni buddu ton simo fala wola hondon tigide simo fala wada hondon tigide simo fala yo haju makko on sottu yo négocier ou fino yo bira caution parce que CNRD on hande do ko mbudi woni ko mapuri hande do ko mbudi woni ko be billori kanyun tigi monsieur Alpha Condé
kala ɓen ɓe o anndi o halfinino goɗɗum ñaamimo mbuuɗi, ils sont très nombreux. Hannde ɗo il va régler le compte, son compte avec ses derniers. Donc je veux intervenir et parler cette partie en français. Après, maintenant que monsieur Alpha Condé soit rentré au pays, vous avez tous suivi, avant qu'il ne soit rentré, cette guerre de succession, cette guerre de leadership qui avait d'abord commencé lorsqu'il était à l'extérieur du pays, avant le coup d'État du 5 septembre, lorsqu'il y avait une simulation de son état de santé qui était très grave, lorsqu'on avait dit qu'il était allé pour des soins et que son pronostic vital, d'ailleurs, d'après certains, était engagé. Mais contre toute attente, c'est ce monsieur Alpha Condé qui rentre après qu'il y ait eu des bisbilles pour d'abord la primature où monsieur Kassori était sorti et pendant son absence pour aller présenter ses condoléances suite au décès de sa fille. Il y a eu pour la première fois ce décret confiant la primature par intérim, où M. Diané était celui qui était intérimaire. Vous avez compris donc aujourd'hui pourquoi M. Diané se retrouve dans les griefs du CNRD, disons, pour être plus précis, dans les griefs de la CRIEF, où aujourd'hui il est auditionné malgré son état de santé. Vous comprenez donc par là que ce n'est pas du tout fortuit, parce que c'est cette guerre de succession à laquelle était en train d'assister stupéfait M. Alpha Condé ou médusé. Il a vu maintenant quelles sont ces personnes qui ont des projets, quelles sont ces personnes qui avaient des ambitions, d'abord de descendre du navire, puisque vous avez vu ces anciens alliés qui ont soit créé des partis politiques. Je parle notamment de M. Diakaria Koulibaly, d'ailleurs, qui cite dans son audio. Je parle de M. Oyegilavogui, qui était pourtant un de ses protégés, qui avait même refusé de prendre un poste ministériel sous prétexte que non, ce poste-là ne lui convenait pas. Ensuite, il y a M. Malick Sankom qui avait même versé des larmes quand il s'agissait de faire la remise de ses équipements au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris pourquoi M. Malick Sankom avait pleuré ce jour-là. Mais aujourd'hui, avec son départ du navire RPG Arc-en-Ciel, ce que nous comprenons et ce que nous apprécions, parce que l'effort que M. Malick Sankom a fourni, il méritait mieux. Mais aujourd'hui, que M. Kassori, par exemple, soit choisi sur lui, qui avait pourtant mouillé le maillot, ça c'était une chose qui ne pouvait pas lui laisser le choix que d'abandonner le navire. Mais qu'à cela ne tienne, c'est qu'il faut comprendre que ces événements, ces successions d'événements, ont montré à Alpha Condé combien de fois son parti était flanché, combien de fois il y avait des personnes qui étaient là pour leur propre intérêt que plutôt que de celui de lui être sincère ou de lui être loyal dans cette lutte. Maintenant qu'il est rentré, ce que vous allez assister à des emprisonnements, à des arrestations où M. Alpha Condé ne pipera pas un mot. Où M. Alpha Condé d'abord, il a compris que lorsqu'il y a eu le coup d'État, il n'y a pas eu de manifestation pour exiger qu'il soit libéré. Par contre, quand il y a eu arrestation de ses cadres, on a vu dans ses quartiers, dans ses préfectures, et ces mouvements de soutien, ces conférences de presse, cette panoplie d'avocats qui ont été engagés pour que ces cadres-là soient libérés. Pourquoi la même chose? Pourquoi M. Alpha Condé n'avait pas bénéficié de la même attention ou bien du même engouement ou bien de la même ferveur pour qu'il soit libéré? Il a compris aujourd'hui que la plupart de ces personnes-là qui lui disaient qu'elles étaient fidèles à lui, qu'elles étaient là pour lui, comme on disait, que tu veux pas, c'est lui. Il a compris aujourd'hui que ce n'était pas sincère. Et maintenant que cela est su, vous allez voir à quelle allure les choses vont se développer. Et là, ça nous amène à aller vers le deuxième point qui est celui de cette justement bataille judiciaire enclenchée par son collectif d'avocats qui a débarqué pour venir apporter coup de main au collectif qui était déjà localement constitué avec Maître Béa et ses confrères avocats. Vous avez vu que malgré tout, le procureur est resté droit dans ses bottes et il a dit qu'il y aura un procès. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous conseillons gratuitement à ce collectif ou bien aux membres du RPG Arc-en-Ciel? C'est de payer des cautions. En temps normal, et la logique aurait voulu que lorsque le CNRD qui soit venu parce qu'il y a eu des dérives, que le CNRD mette en priorité les crimes de sang. Mais à notre fort étonnement, le CNRD
s'est mis sur ce terrain de récupération de biens, sur ce terrain de combattre ces prévarications. Et cela, c'est parce que les caisses sont vides. Le CNRD aujourd'hui, et vous l'avez d'ailleurs écouté, M. Alpha Condé, qui est le président sortant, lorsqu'il a parlé de cette difficulté économique qui profile à l'horizon, et donc de la nécessité d'enflouer les caisses. Et d'ailleurs, qui sait, dans l'audio, dans son intégralité, parce que nous n'avons qu'une partie, est-ce qu'il ne parlait pas justement de cette nécessité de mobilisation de ressources? Le RPG Arc-en-Ciel, malgré la confiscation ou bien la saisie de certains comptes bancaires, a pu quand même mobiliser beaucoup d'argent pour d'abord financer ces manifestations pour demander la libération de M. Kassori, pour la constitution de ses avocats, parce que ce n'est pas du tout gratuit, ces coûts d'avocat, c'est extrêmement cher. Et vous avez compris aussi cette délégation qui était allée à l'intérieur à coût de centaines de millions pour aller justement sensibiliser les militants. Monsieur Alpha Condé a compris qu'il y avait de l'argent qui dormait quelque part. Il a compris que ceux-là qui réclamaient de l'argent dans les ministères avaient en réalité de l'argent. Donc la révélation et la nouveauté dans ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que Monsieur Alpha Condé a vu que tous ces cadres n'étaient pas en réalité sincères envers lui. Le conseil que nous vous donnons, vous qui êtes cadre du RPG, ne gaspillez pas votre argent dans des coûts, dans des frais d'avocat. Payez les cautions parce que le CNRD ne veut que vous payiez les cautions afin que vous soyez libérés. Si vous payez les cautions, vous allez voir aujourd'hui M. Diubaté et M. Ismaël Diubaté et Mme Fola Mansaré, on a fixé une caution pour qu'ils soient libérés. C'est la même chose, c'est le même principe. Quiconque paye l'argent sera libéré parce que le CNRD en réalité est en train de récupérer cet argent que M. Alpha Condé réclame de ses cadres, mais en même temps aussi, le CNRD a besoin d'argent afin de pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que dans les mois à venir, le CNRD ne sera pas en mesure de payer les fonctionnaires, y compris ses enseignants. Et vous savez très bien que les examens nationaux sont prévus où des enseignants peuvent bouder les classes parce qu'ils n'ont pas été payés. Donc aujourd'hui, le conseil très simple que nous donnons aux membres du RPG Arc-en-Ciel, c'est de payer les cautions afin que vos cadres soient libérés. Ne perdez pas votre temps parce que la procédure a été biaisée. Malgré cela, il n'y a pas respect de cette procédure et vos cadres seront en difficulté l'un après l'autre. Vous avez entendu parler de cette liste de plus d'une centaine de personnes qui sont visées et c'est à tour de l'autre. C'est à chaque fois qu'ils vont mettre une personne dedans que cette personne sera cuisinée, qu'il y aura paiement de 10 ans de rançon. Et c'est la même chose que M. Alpha Condé aussi faisait lors de son régime lorsqu'ils exigeaient à ce que des personnes soient mises en prison. Mais lui, contrairement à des rançons pécuniaires, lui, c'était des rançons politiques. C'est-à-dire que des cadres de parti étaient emprisonnés pour exiger ou porter la main au leader de parti d'accepter son autorité, donc son forcing électoral. C'est le même principe qui est en train de se faire. Sauf que cette fois-ci, la roue a tourné et nous sommes vraiment désolés de voir que l'injustice est en train de continuer. Cette sortie d'aujourd'hui n'est pas un blanc-seing que nous donnons à cette procédure. Non, c'est un conseil que nous vous donnons en attendant le conseil d'unir nos forces afin d'aller vers ce qui pourrait nous aider. Mais en attendant, pour stopper cette hémorragie, pour stopper cette difficulté que vous traversez, payez les cautions au CNRD parce que le CNRD ne veut que cet argent-là, ne veut rien d'autre que cet argent afin d'enflouer les caisses. Donc nous allons attaquer le troisième point qui est celui de l'audition de M. Kaba. Harayon yido on e yewti do rapidi ne ngala ka wonde mabbe tawbe fu ino ari do defandugol kanyum M. Kassori wota be bonnu mbudi mabbe. M. Alpha Condé no andi cadre be makko be ngay so nani mo ina ke les cadres malhonnêtes sont malhonnêtes. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Fait ko woné wolde non, c'est parce que mo andi mo mari cadre be taw kanyum wojimo. So yi kadi fe on do yawno non mbokke ka ko hono sangare ji fi no girngol non ton o chemin de fer on nani mo wala ton o ni ndende yo ko be munye isi amane geli on nani ko woli don non ko donc c'est pas fortuit ko ko be cadre woni hebude hande do mais si Alpha Condé na mere o wonan no ka jananiri ton ha o andi nangete be nangama wadobe ko wado wadata wadi hande do o andi ko mbo ni nun dando mo andi ko mbo wonno mo fenando andi ko mbo wujji mo mbudi parce que o yido e delegation ji immédié et intérieur mbudi mobilisa din don alors que non ino ina compte bancaire ji mabbe din ino jela malgré ça be way hebude 300 et quelques millions ko dun jonnano delegation yawno do intérieur on ya sensibilisa jama on fiyo be subo kanyo M. Kassori be wada mo kanko président directoire provisoire
o yi kadi kanyon do baydo innama onangama do mobilisation ji di manifestation ji wadudi fo en leur capital Conakry on ma do telle foré caria on nani tumbe do yaltidi be do ko jonnabe mudi fi yo yalt parce que non be jonnama mudi donc andama jaka mudi no wali nokugo o yi kanyon kadi be avocat be abdabe do yido ngandi non kala on andudo avocat ko no satiri avocat je yobugol hay goto tum ko mudi buy kono malgré tout non seulement be wawi hebude di mbudi do be nodditi be avocat be do fo mebe holli kadi jakkay be wawi immanade goddo so sokama fiono monsieur Alpha Condé hebano dun do o andi hande do kala ben créé be parti yi mudu yalté der alcanciel on do be do fo jakka go jokkirno moko goddo donc yobbindire dun don non e ko wiino kon kala wujjuno do mbudi fewno yawno sangareji ino girgo semaine de fer wonno do tomo o indi kala hande kadi wujjudo mudi yaay kaso e comparaza hande do ko ben cadre be makko woni retrouvade ka kasodo fi yo dun CNRD bayari kala mu CNRD on fuddo rali récupéré gol gergol wada justice fi en andu ko hombo wari hombo hande do yidi assise nationale di ka diverge ton tawde di ngaray yimbe be ngino boodi di ay kankan ka inete ton ko fiat mabbe on goddo aral ton de gandi no wano kankan ino wodi ben kawtal be tawnobe goddo yimi ke yeyi bonnano yi kawtal mudum goddo yimi ke yeyi fuso yibuti goddo wodi ay warabe fewno di evenement ji 2010 ton sigiri kankan era ranobe ton e manjana dum do fo yide gandi dum e kurusa fi onnon di assise yido di wonali momang mo tawata haray joni mom mo kala imotara inna min ko mi yawno lanci ma suudu ndu min ko mi yawno waram ma kali ko mi yawno fusam ma boutique karijo fi onnon di assise ji wadalu c'est parce que sincérité ala en der cadre c'est parce que réalité crime ji wadudi din fo la guiné ko crime d'état aran d'autre terme be yu be ben fo wari hande do hina hawre hakunde leñol e leñol en tant que tel woni la guiné hawre wodule nen ko entre civil be ben citoyen be ben e force armée ji din e force de l'ordre ji di la guiné et dun don non tous les différents régimes qui se sont succédés hande do si CNRD no nunduno do be innude be wadde o cadre de dialogue di assise ji do ko be duwano ko kambe tigi immade inna par exemple opération baka karijo imminolo ari manifestation karijo ko kari wonno jo hore on unité don ko kari yawno jonni orji yo biddo karijo ware yo karijo nange wana non kanyun kari be yilti toro non 2007 événement ji ni ngontuma mais fi onno be wadali don non fi onno be hikini yeso hettugol mudi plutôt que hollugol ko hombo wari hombo ko hombo wari onno c'est pas sincère ko ko be ne wadde do je regrette fortement yugol do yimbe no yimmi yeyi intérieur wano mamun do ni ma labe katawata don ngido ngandi non ko 10 région ji do ko 10 région ji do ko 10 zone ji do victime be buri dudude mais am fort et ton man ko jibina be kanyun kadi e nokkure do woni hikade yeso yaha légitime o activité wondo e wadude do o simagri do o folklore o théâtre do tawdo don c'est pour juste aller insulter la mémoire de ses victimes sinon comment comprendre que hande do be nay be wadude assise alors que non ino anda ko ben imimbe ina yahe wadé assise ji ko kambe tigi woni ko jodi e hore di fureji do ko kambe tigi woni ko jonni ordi je yimbe war débutants et couture wara ben fu ko borni do tenni woni yaade nanga onti ka suudu makko nada mo e kaso o maya der to maya ha pandamo donc en réalité hawre nde gande do sinna ma réconciliation justice ko ma wadé onno justice mo fuddo di taw yo gonga o yaltini onno gonga ko onno ko wiugo gol wonde makko yora paden wonno yaade nanga wobbe goto donc ko instrumentalisation ko lamuji go wonno e wadde yaha nanga yimbe pauvre be ni tout sans justice be imobe yabe nade e kaso wobbe lutta der to ma di manifestation ji ni yimbe wona e wadde rede to mais kono e yido kon do CNRD woni wadde ko récupérer gol mudi donc conseil mo jonnude ngon kanyum membre be CNRD membre be RPG ben ko be gerube yo amudi din parce que ko don do woni ko CNRD fala maintenant yino monsieur Kabado parce que wolino do yude CNRD on no mari bembe be woni golidude mudum e woli fi o coup d'état wado don lo 5 kombe woni der to memminobe fi mudum e woli fi kanyum e wi dans cet article que les gens ont partagé qui avait même fait polémique qu'il y a des personnes qui a des mains noires derrière le coup d'état du 5 septembre ces personnes entre autres il y aurait l'implication de monsieur Kabine Komara il y aurait l'implication de monsieur Lansana Kouyaté qui est d'ailleurs un oncle au président de la transition monsieur le colonel Mamadi Doumbouya et c'est d'ailleurs monsieur Lansana Kouyaté et c'est d'ailleurs ce qui amène à ouvrir encore une autre brèche. Pourquoi dans toutes ces actions de la CRIEF, on ne parle jamais de monsieur Lansana Kouyaté? Pourtant monsieur Lansana Kouyaté, pour avoir géré les derniers moments de monsieur Lansana Conté, avait géré par exemple ce contrat des bus
les bus de Ashok Leyland. Il était dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne cite pas M. Lansana Kouyaté dans sa gestion, par exemple, de cet argent qu'il avait obtenu des Libyens? Pourquoi on ne questionne pas M. Lansana Kouyaté sur sa gestion, par exemple, de certains fonds qu'il avait lors de la pète du petit temps qu'il avait géré quand même à la primature? Pourquoi M. Lansana Kouyaté, aujourd'hui, n'est pas du tout cité, même pour le projet de coton? Parce que vous connaissez très bien qu'il avait une main derrière. Mais puisque M. Lansana Kouyaté, qui est d'ailleurs celui qui aurait proposé M. Morissana Kouyaté à ce poste de ministre des Affaires étrangères, pourquoi ces personnes-là qui font partie justement de cette liste de mains noires citées, M. Kaba aussi le propriétaire et le fondateur de la première université privée de Guinée, et c'est d'ailleurs notre troisième point, pourquoi ce dernier a été d'abord empêché de sortir du territoire? Est-ce que c'est une façon pour le CNRD de faire une fuite en avant et de faire une diversion pour ne pas qu'on dise que celui-là n'a pas été enquêté, pourquoi il est sorti? Est-ce que ce n'est pas un folklore? Ce sont les questions que les gens se posent. Pourquoi soudainement, patatras, monsieur Ousmane Kaba, qu'on appelle docteur Ousmane Kaba, le président du parti PADES, pourquoi il a été aujourd'hui convoqué à la gendarmerie pour être entendu de midi, de 14h plutôt à 16h? Donc ce qui ressort des informations que nous avons obtenues ça et là, c'est que d'abord monsieur Kaba aurait été questionné sur sa gestion du CAS, qui était ce cabinet ou cette commission qui avait gérer les audits au temps du CNDD, et vous avez vu sa vidéo dans laquelle il parlait de ses audits et des audits qui n'ont jamais été finalement publiés. On le reprocherait d'avoir fait une gestion, mais une gestion dans laquelle, si on creuse réellement, il ne sera pas du tout en réalité fautif. Pourquoi donc nous parlons de folklore? C'est parce que le fond sur lequel Monsieur Kaba devait être interrogé sont, entre autres, sa collaboration ou la collaboration de son université avec l'État, où vous avez entendu parler de ces fictifs où ils étaient en train de surfacturer l'État. Est-ce que M. Alpha Condé, étant derrière ces déboires de ses anciens cadres et collaborateurs, n'est pas celui-là justement qui a dit vous ne le laissez pas sortir afin qu'il réponde, afin qu'il parle de cela, mais qu'en même temps, puisqu'il a des liens avec le CNRD choisisse plutôt de sortir des dossiers dans lesquels il peut s'en sortir indemne parce que n'ayant pas sa main et sa implication directe dedans. Donc, arrêtons-nous de dire que nous avons été en train de faire des parce que nous avons été en train de faire des choses qui nous ont dit que nous avons été en train de faire des choses qui nous ont dit que nous avons été en train de faire des choses qui nous ont parce que nous avons été en. Donc, il y a un cadre de monsieur Kaba, qui est le cadre de fondateur de l'école Kofi Annan, et ça est assez fait une ordre de l'eau, mais il y a un avion à gaz de Yilta. Et nani ko yewta no don ko après mais den andi non kanyum kadi be be wiude inde mudun ino yewta fi mu wonde may be tawde ino wawi ka be tawai o coup d'état do 5 septembre en joni ton inde monsieur Kassori en joni ton kan monsieur Kassori fofana. En joni inde kambe wiyetebe be monsieur Kaba Ousmane Kaba taw en kambe ardi o parti kadi PADES en wi kanyum kadi monsieur Lansana Kouyaté no tawai mu e cabinet Komara no ton liste ji wobbe ko sonnabe be mimmi wala trainde mudum mais quand même ino ina ko be do woni branche civile wondo e conseil de on kanyum CNRD gonga ino der mudum parce que wadodo par exemple entrevue premier ministre on ko kanyum monsieur cabinet Komara ko kanko subi cadre arambe ben fi wadugol o gouvernement mo CNRD wadino donc terle non doute ala wonde ma hi monsieur cabinet Komara ino tawdi CNRD on ko be kambe kadi ko be membre CNRD hay si be yaltita e kene. Donc, on a des négociations qui démarchent des canyons. Même M. Kabine Komara a dit que le CDAO a fait des sanctions qui ont été faites. M. Kabine Komara a dit que le CDAO a fait des sanctions. M. Kabine Komara a dit que le CDAO a fait des sanctions. Il a dit que le CDAO a fait des sanctions. Il a dit que le CDAO a fait des sanctions. Il a dit que le CDAO a fait des sanctions. Il a dit que le CDAO a fait des sanctions. Peuyetebe Morissana Kouyaté fiobe watbe ka poste de ministre des Affaires étrangères. De ngandi non lamo au ministère des Affaires étrangères, au ministère tawdu ko soudu taw ndu haray hindu mari
batte moƴƴe ndu mari golle jane si innama haray gouvernement ngino waɗede. Donc ɗum ɗo kadi ɓurti aray tabintinde ko tawata kon kañum monsieur lansana kuyaate hino jomodiri e kañum CNRD o. On woni kadi ɓuyɗuɗuɓe addanɓe men o vidéo mo tawata laabi ɗiɗi RTG o ngino feƴƴinde documentaire ji kañum monsieur lansana kuyaate sakite moƴƴa yewtere nden. Ko tawata ɗum ɗon kañum kadi holli hina an ni tun monsieur lansana kuyaate naɓe ni nanama naɓe ni e o gouvernement ko woni e waɗude. Ide gandi duuɓi sappo e ko fayi monsieur lansana kuyaate doguɗi yalto no leydi lagine ni ye jooɗoroyi sengo france ton itti juuɗe muɗum on fallidiri e kala ko innete mourado politique leydi lagine. Mais ɗo soudainement comme par hasard malgré tout ɓe yimmiɓe arti ɗo ɓe tawti ɓe ari ɓe fuɗɗiti activité ji maɓɓe ɗin ɓe artiti kañum kadi e doole jane. Ɗiɗo noon fof hara hino holli wondema kañum monsieur lansana kuyaate no wawi ko tawde haray ɓe tawdi e kañum CNRD o. Arten non ɗo joni e konko tawata crié fo memminike ɗo kono comme par hasard monsieur lansana kuyaate kañum géruno kañum ɗe gandi wonno avant dernier premier ministre mo tawno haadi de fewnugal la matiéri kañum Allah hino lansana konte ka laamu makɓe mum lannata. Iɗen gandi grève ji wanno 2007 nde population on exigeuno on tuma yo premier ministre yogo suɓe tawnoɗo ko iwnoɗo ka société civile. Kañum monsieur lansana kuyaate ɓe ƴettano on tuma ɓe géruno noon fiiɗe bus je sogi trans ji addanoɗe on tuma ɗe tawi ko kamɓe yawno négocie ɗum ɗon haalaji no wowla nder to wondema ɓe wanno sur facturation. Iɗe gandi kañum kadi pick up je moto ji ɗi tawno ko kañum monsieur lansana kuyaate wonno ko commandi no haala maɓɓe kadi no yina junngo maɓɓe no tawɗo a nder to. Watti ɗon kañum kadi ɗe gandi lagine hari lansana konte hari kañum Allah hino mo yaafo hari mo weldi e Allah hinno Kadafi. Donc lagine yawno naɓi ɗaɓɓere ballal fii ko wallito ko kañum monsieur lansana kuyaate yawno wonno ko landanoy par ce que eɗen gandi koye nder laamu makko ngun ton pour les quelques rares fois ou avant dernière fois ka tawno kañum Allah hinno colonel Mamad général Mamad sikki de ko général Mamad ko général de Kadafi de ko général non kako maréchal Kadafi mi yeggiti bon grade makko. Mais en tout cas ɗo monsieur Kadafi immino arno lagine ton ara falƴitelanɗoga commentaire ji ɓimmino ɓe arno lagine ton ɓe natiri hay e sengo maliri ndin ɓe immi ɓe jokki lawol ngol ha Konakiri. Ɗe gandi on tuma lagine heɓuno goudron mo tawata ko saabu konko ɓe arno ton woduno kadi financement ji ɗi libyen ɓe ɓe waɗanno e on tuma. Après ɗum ɗon e yiiɓay monsieur lansana kuyaate lansike e nder politique on ko honno tawirno ko kamɓe ɓurno marde caravane ɓurnoɗo e juutude on margol autoje kese ɗin mbuuɗi ɗon fof landano ko honto ɗin mbuuɗi wonno koyiwi. Donc fii on ɗum crié fon ala e landitade kañum monsieur lansana kuyaate donc o ɓini colonel Kadafi donc ko colonel donc mi faljaali donc kañum colonel Kadafi o immino ari leydi lagine ton mbuuɗi kadi o okkuno leydi lagine ino inna noon kañum monsieur lansana kuyaate no tawano e mum. Maɗum mayi ɗum haysi ko inete no projet coton on kadi sengo kanka gon ko kañum monsieur lansana kuyaate ko tawi wolluno junngo muɗum nder to fiyo noon CNRD on ala yewtude fii ɓum ɗo. Donc ɗum ɗo holli en andi wondema hi CNRD on koko woni e wadde ɗo e o CRIEF ko tout simplement fii no hettira mbuuɗi kono ko yo huulu ɓen ɓe tawata haray ɓe yewta e fii muɗum. Aren noon joni haray e toɓɓere tammere nden nde tawata haray ko o CRIEF on nodditi monsieur Ousmane Kaba fii haray ɓay e wooli fii maɓɓe wi ɓe tawda fii e wonu awa ko goonga ɓe woni ɓe nodditi on ɗon on ɓeyni ɓe yewtu e fii makko. Information mo min heɓi on hannde ɗo wondema monsieur kañum Ousmane Kaba ko yewtida fii muɗum ko fii konko fewno tawnoɓe dirige no o commission waɗunoɗo audite fewno tan CNDD on wooduno chek ji ɗi ɓe signuno toon ɗi tawata haray ko fii ɗin ɗon ɓe yewta. Mais en réalité ɗin chek ji junngo kañum monsieur Ousmane Kaba ala directement e ɗin chek ji. Donc en réalité ko argol tum memmina fii maɓɓe fii yo jama on ine ay jakale ɓe wonda par ce que si ɓe wonduno konno ɓe salotono kañum monsieur Ousmane Kaba yalta. D'ailleurs ko honto monsieur Ousmane Kaba wonno yaade en réalité monsieur Ousmane Kaba ɗi gandi hina tawɓe o yawoɓe souvent déjà ka ɓe atano convoquede taw hayɓe intérieur ɓe jaɓano arde on tuma ɓe noto fii honno noon ɓe ari ha ɓe hewtiɗon ɗo ɓe yawɓe noto yo taw convocation maɓɓe koye avionwal ɓe yimi ɓe jawoye mum. Donc ɗum ɗo fof kañum kadi holli en ha honto hino woodi ka kañum monsieur Ousmane Kaba andi no bonni ko tawata si crié fo waɗi golle muɗum ɗen tigi tigi ɓe naata e nder ton kono CNRD on koye waɗu diversion innayi ɓe nodduɓe ɗon ɓe landoɓe fii konko ɓe andi si tefoyama ha gonga yaltoyta e mum. No wawa fewno ɗo kañum kadi kañum monsieur Kasori fo fana on dossier mo kañum monsieur Kasori memminanamo tawata haysi innama ko flagrant délit
kono en yi ha honto démarche on e procédure on woni biaisé on respectaka hande do si sariya on hino nabede non tigi tigi monsieur Kassori wonata no kandel kassoto monsieur Kassori no mari in dossier ji di tawata si dinno memminama net be nangete der ton kono nadi ndo memmina wono non kadi monsieur Kaba no mari din dossier ji entre autres burdo welde fi on nango golbe do hande si be memmini do fi di université privée ji fewdo signi do no contrat kanyum e ministère de l'éducation ministère de l'enseignement supérieur katawata don be surfacture no monsieur Kaba université ji makko ni arno wadi ben étudiant be ina par exemple wulure no jangude ka l'école makko don mais alors ka réalité ko telle wono teme de goddum hara woni der tonti mahara wulure temmanu gasa ay feccere dun no din non si se si crie fo memmini net fi maji monsieur Ousmane Kaba nabi unoyto der ton wono non ka nyun kadi o banque mo be créé no do mo tawata on fop o yimo o banque agricole mo be wanno do mo tawata mbudi yembe yawno ha lutto e der dun non kadi si memmina ma net monsieur Ousmane Kaba ya hay uno ndor ton maado wono di engrais ji di tawata kanyun kadi monsieur Kaba tawno e ben zero no be non dun do fo si CNRD on e créé fon ko sobe wonno si di do memmina ma der ton monsieur Ousmane Kaba jawata der ton kono e yiko e be memmino e konko tawata karafaka ay hunde hollata yaltinoita hunde ko wadi sibe yedo donc nous allons attaquer notre quatrième point à won ko insécurité on insécurité mo tawata on fop on yido bi vidéo ji won e yaltude fuddoro den taw ya sonnajo do wallahi numo ya fo sonnajo redujo mo tawata be wi ko goddo mo tawata hakki mudun timma woni ko warimo aweta ngo hande do procès wadaka fi dun non fi inno gongol awa yaggina yo waddo ma donkinaymo na on don non kadi fuddori hiden andi himbe no duudi bembe tawata warube be ben wobbe anda ka fureji di yama ko suwat ko ben panditibe ko suwat ko bembe tawata ko bobo e hoccirte do eda ma dum fure hoccire do eda wobbe hara ka raaji wobbe hara ko en der tera mayoji dun non fop e yi dun do insécurité on hande do dun don ina ha goddo wi'a hino wadane didi wonde may no wayde legdi lagine ni e yi hay kam mawbe nawyu be tawona e violede mais ko honto non buri hulbinade joni kakatay don jonn wonata yontere ma jonte didi wonata lewru katawata fure hoccirata nokugo wonata lewru kananete goddo kidnapaka wonata lewru kananete goddo ari yani e jiwum bobo on doligum yani e makku wadi ko Allah yida yarlaki ha dinta don non tun kanyun kadi wari kuntiki dun do non hande katawata duudi haray hewtal taw fi ka sunno ciudi konno miuden question meden kondu woni wadude dum ko piji tati gogo taw kakatawata ton saria leydi meden ni ndi wonata woni ko saria nyaadu ndi fi terlendon taw woni ko donkinori kala wadudo dum donc terlendon saria meden on haani dartede do non haray en interpelay kanyun innu be ben ko ka sengo ka bangi sariaji yo be dartu ngon sengo do moja sengo taw gongol haa si a wari e yi goddo si o nangama e ko do wonata deuxième point ngon kadi ko wadata tawata hara yimbe no wari rede ni no ay wa chofu e no nangirede ni dorire ni kakatawata don saria ngo wona nyaado do saria winda don kanyun kadi ala ka hunnede on tawdo don kadi o nyaada kanko tigita o ala hunnede sina dun si goddo nangama tawi hara par exemple ko ittudo wonki fi on dun on par exemple wono e seeda tun o yalto yaka yasi ma dun nane o dogi dar ton fi on dun saria on ko don woni wadde donc en réalité responsabilité no wodi tigi e jongalle ben tawbe no accidente par exemple koy bikkoy e ben tawbe haray ko duwi be towbe duubi wada be dun do mala aynude faybe modja parce que lady porto pay kum ma hay se consumi tun e der yite goddum hibbimo ben noddete be landito ma hari honto wonno da ha kum pay kum par exemple termosu hibbimo ko honto wonno da par exemple ha o nyaami o nyaamete tawdo o nyaamete woni par exemple sombo no gasa barmugol makko ma sumugol makko on do lera ko biddo ma on anti joni non anta wo won non ay moto yalta par exemple ya nyallal mangal fu ka makiti hida acci pay ko ma kun ka der quartier der ton acci da mo e moko ba ayni na mo ay goto est ce que do an ka di responsabilité ma ala to ma be moko ba be tawbe par exemple hayutai moko ba on tawdo ko hewtudo helli fiado e kum pay kun taw kun ko toso kun woni ko jum woni ko woni wo hawtira kun e suri parce que o viol hande do ina kanyum worbe ben tu ne yande kadi e rew jiwoy koy no wodi ton kadi worbe go wonbe yande kanyum kadi e gorego parce que si wobbe go saw mabbe on hewti nokugo kono be ite tatu yo mabbe wo ko mabbe itamo donc en réalité di do fo responsabilité état on hino der ton responsabilité autorité ji di no der ton kono responsabilité jama on citoyen en fo idem tawaymo sina don kono tawirta par exemple goddo yahay ide jama haray no andi mo e der galle
o yani o doli e goddo ma o woni on wujjo ma o woni on warowo taw so naba makaso ko bengure makko nen tigi yaata jeejano yamo ma ko bengure mabbe nen sitay goddo wari yawoyta adda habbere goro adda saaku maro adda mbudi wi amede ngari jeejangol kaari ko wadi don kon hakkile makko timma ina e sago makko woni ko jinna woni sombo mudum ko gerado ko ni eni sakitore do wi gola wa joni hare allahumma salli ala sayyidina wa sallim hare o don joni accane mo joni hare min tubi ko koddori yalla. Donc comment changer les pratiques dans cadre de société en acte yugol ko wadi wonangen toñugol Allah ko Allah hari ko koddori yalla pijini fugo era ko koddori Allah no der ton kono kadi mo acciri en kadi kon ko inete sabu mo tawata on sabu don ide way kipirdem ide way wattande ile goddungo chondi sa hendi ke di awuti tindi ka hendu ni ayni yo Allah walluni yo Allah aynudi Allah no way go aynude ni don kon ara ya ti pass udi tudani parce que sa accinu di kan di mondi don hendu dun tappatanu di don handi wira no yo ka beina ta kon sa jawi e hore legga ayni yo Allah rene a hocci ke do ton awunike Allah rene no haja onoda Allah rene no junnuma hakke ya waaw andude ene sa accite ke do nandi ya wolle ton sa yani e mae o ayni ta hewta ka leedi ma ya ton alandi to te kadi wonki madake aw ko sifa non kanyun kadi di crime ji wondi e wadude di tawata din normalement si tawi autorite ji din e yi hande do minata do ware mido yeti jama on kala wardo imme onon kadi warto do mo nanu si mukala ino wa imade tu wara on wartudo hande kadi nganda ko jelo wawete toñede ndi tu yani e der mu ware don haray moja kono a reality kala on anda do wujji ma o wari ma ko dolo mo e der quartier ji din don yo jama on imo ya tawa sariya on yetobe nokkel kaari men en andi bangi tomboloyre no don du tawata on wondo der no wabbe no fimude don par exemple gaz wabbe sukabe no arde sakko nokkel kaari men en andi ko biddo kaari e biddo kaari woni e wadde don fi wonnun din don piji di warata hakkundeji meden don fi wonnun enen ide way andude goddo par exemple ko jogi do labbi no walidude makki ma mo jogi finkaari fanki den e dun don donc certi de way wi digo autorite on ino tawa en ko enen kadi de ma responsabilité di hanude ngene tigi gerdude mudu si goddo kadi en andi ko siddo meden ko hibude ngema makko so bonni enen tigi jette mo naben kasariya o du woni wallugol so hewto enon kasariya to gere non kanyun kadi o acce ka der kaso der to donc tanki goddo ino nadede der tunange yurmine inne o funni der ton o ronki o wadi ni en yeye jeje nyabane mo nyamete ko non tigi woni gerde be do wad parce que kala on tawdo jaka si wari no wawi sakitoroide jeje no e gol yalta o waroye kadi goddo go donc terlen non haray responsabilité on ko sengo kanyu lamu mo woni me sengo men en kadi population mais a des degrés différents degré burdo towde on mo tawata re ko lamu ngun hani gollirde terlen non e sakitore ngara wi gongol fi bi giteli ko ne sumude ciudi hide ngandi do ni wonata joni kadi jonte didi ma jonte tati hara suudu sumaani ciudi godi suma der ton tawara ko kuran EDG woni sunude der ton mo tawata don kanyun kadi responsabilité kanyun EDG on ino tawa mais responsabilité kanyun kadi wonbe wadude ciudi din installation ji din e branchement ji din ayay goddo par exemple fi hebugol kuran deja ne mo wada installation o ya o soda din ku matériel ji tawdi hara di moƴƴinaaki o ndaara on électricien joga quartier mo tawataara mo andi so gollidi e makko ɗuytanayi mo coggum o yaa o adda on noon branchement ji waɗe woɓɓe déjà ara ko suuɗiiɓe waɗi branchement nder ton woɓɓe hara no mari ligne ji ɗiɗi fii tun no heɓira courant woɓɓe go kañum kadi hara no addi ɓannidiri piijidiri haa naka ɓannidireede si ngeeɗo yiite huɓɓiiɗe nganndi en ala sapeur pompier ɓe iɗe nganndi kadi déjà yimɓe ɓe no jiɓi ndiya hay ko yara sakko ɓe inna ka ɓe ɗannidira yiite si ɗum ɗo huɓɓiiɗe nganndi haray ko tana woni e waɗde ɗo c'est dommage hande ɗo yo tawara e wano ɗo kam yiyata ɗo mi lintata yinde homɓe e homɓe cuuɗi mum sumi kono eno ɗuuɗi ɓenɓe tawataara e cuuɗi mum sumi e plus grave encore ɓenɓe tawataara e wonkiiji luttinder ton donc hara e wattane yila moƴƴa hara e nanngaa wiwgol en accirae ko woni wo laamu ngun enen kadi ɗe mar responsabilité ji meɗen e ara ɗon noon jooni sakkitore yewtere nde gon ɗum le CNRD aujourd'hui plutôt que d'aller dans le superficiel plutôt que d'aller amuser la galerie d'aller dans des diversions plutôt devait s'atteler à sécuriser la population. Aujourd'hui, cette population où nous constatons avec regret et amertume cette flambée de cas de viol suivie de meurtres et de meurtres sur quoi? Sur mineurs, sur des personnes qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui cette criminalité, ce banditisme, cette cruauté humaine que nous sommes en train de vivre à longueur de journée. Ces enfants qui ne sont que des victimes innocentes devaient être protégés. Et cette protection, en parlant de protection, aujourd'hui, il incombe d'abord aux parents aux chefs de famille de veiller sur leurs enfants, ne pas laisser un enfant sans surveillance. Vous connaissez très bien qu'à l'étranger ou dans les pays où ça fonctionne comme du monde, un enfant, même lorsqu'il se blesse,
on convoque ses parents par la direction de protection de la jeunesse, la DPJ, parce que la DPJ chez nous, c'est la direction de la police judiciaire, mais à l'étranger, il y a cette DPJ qui est celle qui s'occupe de la jeunesse. Ces enfants, lorsqu'un enfant, par exemple, est maltraité, la DPJ ou un officier ou un travailleur de la DPJ convoque les parents pour lui demander aux parents comment, par exemple, un enfant s'est cassé la main. Est-ce qu'il était en train de jouer lorsqu'il s'est cassé la main? Lorsqu'il était en train de jouer, est-ce que le jouet était adapté pour un enfant de son âge? Est-ce que si, parce que chez eux, l'accident, on dit toujours qu'un accident en Occident, qu'il est évitable. Contrairement à chez nous, où on dit que c'est la volonté divine, où on dit que c'était un destin, que ce n'était pas évitable. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on se départisse de ces idées ou de ces pratiques ou de ces croyances où on estime que lorsqu'un accident, par exemple, arrive sur un enfant, que c'était la volonté de Dieu, que c'était inévitable. Non, c'est évitable. Ce n'est pas évitable parce que justement, il y a une impunité, lorsqu'il y a un laisser-aller. Voilà pourquoi les choses se passent ainsi. Donc, nous appelons à la responsabilité des parents de veiller sur leurs enfants. Ne laissez pas un adulte avec des enfants de surcroît des filles. Et vous connaissez très bien que la libido de certains qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas se contrôler, peut les amener justement à se jeter sur ses enfants. Parfois, le violeur, c'est un proche. Parfois, le violeur même, c'est un membre d'une autorité parentale qui devait veiller sur la sécurité et sur le bien-être de ses enfants. Malheureusement, c'est celui-là qui devait protéger, qui devient le bourreau et qui se met justement à violer ou violenter ses enfants. Donc, en termes de responsabilité, le CNRD, c'est là le comble de la Guinée, c'est lors du régime d'un syndicaliste que tout ce qui est mouvement syndical a été bafoué en Guinée. Je parle du premier régime de M. Sékou Touré. Et c'était lors du règne d'un militaire qu'il y a eu le plus d'exactions, de mutineries et de revendications de la part des forces armées. Ça aussi, c'était un paradoxe. Et quand il s'est agi aussi du règne d'un professeur de droit, c'est lors de son magistère aussi qu'il y a eu le plus de violations de droit. Et là encore, cerise sur le gâteau, c'est lors du règne d'un membre d'un groupement des forces spéciales qui sont censés veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, lutter contre le banditisme, le terrorisme et tout ce qui est crime organisé. C'est lors de leur magistère qu'on assiste à une flambée d'insécurité, où on voit des corps à longueur de journée. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on retrouve un corps d'une personne qui a été visiblement assassinée. C'est lors du magistère du CNRD qui a à sa tête un membre du groupement des forces spéciales qu'il y a de l'insécurité dans les routes où il y a des coupeurs de route, où il y a des enlèvements, où il y a du kidnapping. Mais c'est quand même inconcevable, c'est quand même incompréhensible. Et pendant ce temps, le CNRD, plutôt que de s'atteler à sécuriser les populations et leurs biens, sont en train de faire un folklore, dire qu'il y a des assises qu'il faut faire. Aujourd'hui, ces assises sont boudées pour les simples raisons que, un, d'abord, la forme a été biaisée, deux, le fond a été aussi bafoué, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de réconcilier des familles, ni de réconcilier des ethnies. Il s'agit de rétablir une vérité qui est celle du crime d'État, par l'intermise des forces de l'ordre, qui se mettaient à arrêter arbitrairement, emprisonner arbitrairement et à tuer arbitrairement, soit dans des manifestations ou dans des prisons, des citoyens complètement innocents. Donc aujourd'hui, s'il y avait une sincérité dans la démarche, ce que le CNRD aurait dû faire, c'était de convoquer ces forces de l'ordre, les chefs d'unité, pour leur dire, lors par exemple de telles manifestations, quand il y a eu bavure, quand il y a eu par exemple assassinat d'un manifestant, qui était à la tête de telle unité? Si on identifie ce dernier et que celui-ci vienne dans les familles de victimes pour dire c'est nous qui avions fait telle chose, nous regrettons, cela peut-être aurait donné une forme et un sens à cette démarche. Mais malheureusement, et là c'est ce que nous regrettons encore de plus, parce que le CNRD, lorsque le colonel Lai Mamadi était allé sur les tombes de ses victimes au cimetière de Bambeto, nous avions pensé que pour une fois, ces forces de l'ordre viennent au nom de leur confrères ou de leurs frères d'armes, reconnaître qu'il y a eu des crimes d'État, reconnaître qu'il y a eu des victimes, reconnaître qu'il y a eu des personnes assassinées injustement. Cette prière, ce que vous aviez faite sur ces tombes lorsque vous êtes recueillis, ça montre aujourd'hui que ce n'était pas sincère. Sinon aujourd'hui, s'il y a assise, c'est entre justement l'État
et les citoyens qui ont été victimes. Et ces citoyens, les familles sont connues. Aujourd'hui, vous avez vu combien de fois cette salle est déserte du côté de Cancan, alors qu'à Cancan, il y a eu pendant les grèves et pendant entre les deux tours de 2010 des familles qui ont été chassées de Cancan. Donc même à Pita aussi, il y a des familles qui ont été victimes des proches à l'époque à Monsieur Alpha Condé, parce que c'était lui le RPG arc-en-ciel. Il y a eu des personnes dont les maisons ont été saccagées à Pita. Il y a eu des personnes qui ont été chassées, certains. Il y a comparativement par exemple à la Haute-Guinée, parce que les sages de Pita s'étaient érigés contre. Mais il y a même des victimes à Pita, des jeunes qui ont été tués. Pourquoi justement, s'il y a une sincérité dans la démarche, on n'irait pas dans les familles, parce que là au moins les familles sont connues, pour faire une justice, une réparation avant de faire cette réconciliation. Il n'y a pas de sincérité dans ce que le CNRD est en train de faire. Le CNRD, vous êtes en train de perdre le temps, nous faire perdre du temps, alors que si vous étiez sorti de manière ouverte, réclamer qu'il n'y a pas d'argent et réclamer à ces fossoyeurs de rendre l'argent en leur exigeant de payer des cautions, plutôt que de faire d'amuser la galerie, on aurait économisé du temps. Jusqu'à présent, vous n'avez pas du tout parlé de chronogramme. Il y a des crises qui profilent. Il y a les sanctions de la CEDEAO qui vont tomber bientôt. Et nous allons être tous là à tirer les conséquences et à recoller les morceaux de ce pot cassé. Donc, à cela ne tienne, nous allons finir notre direct ici en nous adressant à ces militants du RPG arc-en-ciel pour leur dire que vos déboires sont loin de finir. Ça, nous sommes pour avoir quelques informations qui filtrent du CNRD et de la CRIEF. Hier, vous avez entendu cette liste de 130 et quelques personnes qui sont sur le viseur du CNRD. Et toutes ces personnes, l'une après l'autre, répondra devant la CRIEF. Et la finalité de la démarche du CNRD, c'est de vous presser comme un jus de citron le maximum possible afin de tirer le maximum d'argent de vous à travers ces cautions, à travers ces montants qu'ils vont vous réclamer. Donc, je m'adresse à ceux-là qui sont en prison, qui sont dans des difficultés, dont certains, l'état de santé est fragile, de faire en sorte de payer les cautions, parce que c'est ce que le CNRD... Nous ne sommes pas là à faire le porte-parole du CNRD pour vous exiger à payer, mais c'est pour vous montrer combien de fois cet argent que vous êtes en train de consacrer pour payer des avocats, on n'a rien contre ces avocats. Mais plutôt que de perdre de l'argent, payer l'argent au CNRD, parce que la CRIEF c'est aussi le CNRD, évitez-nous cela. Mais si par exemple vous voulez régler le problème définitivement, mettons-nous ensemble, parce que c'est de l'injustice que vous êtes en train de subir. Et malheureusement, vous êtes en train de penser que le fait de nous mettre ensemble ne profitera qu'à nous, alors que ça profitera à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un adversaire. Ce n'est pas une personne. C'est un système. Et ce système, aujourd'hui, il est incarné par une nébuleuse qui s'appelle le CNRD. Et le CNRD est en train de faire de la diversion, en train de faire de la distraction, pendant qu'ils sont en train de dérouler leur tapis. Donc, quand même, ça qui t'aura eu au terrain d'eau, ou elle t'en a volé, on fait, on a ni comme il y a eu au congé français. On est ma CNRD, on va pouvoir y aller, on a eu le tour, on a eu le tour, on a eu le RPG arc-en-ciel, on a eu le tour. Comme il y a eu le tour, on a eu le tour, CNRD, on a eu le tour, on a eu le tour, on a eu le tour. Mais Allah, y a eu le tour, si y a eu le tour, on a eu le tour. Go ko be fuddoray no ko crime économique dini e yi dossier 28 septembre han joni fi mako memminaka ino de yalon hok alors que non ngi de ngande on ko dossier duano do wadede kanyum maudu go ki dun tigi monsieur Alpha Condé duano do tawde on ko kanyum itado enkir passion mako no duano wadede kono dun ngi wol data fi mun e ngati taydo parce que be wadde règlement de compte akunde yi mabbe be règlement do ngamo do non mi fewta e kanyum be membre be ben RPG mi andina on do mbudi kala di hebuno don din kala di marno don kala di sawu don wondi di woni extérieur mi wolino don kanyum kadi nebi gibi fuddi do go cippiro CNRD gibi arno kalamu me yetino me ngini compte bancaire gi wondi din extérieur jawli ciodaade din ko ni extérieur dun don ko chancellerie gi din tigi ko puissance étrangère gi din tigi woni collaborer dude e kanyum lamu lagine ngum fino dun don labminire ko be nata kon money laundering fi yo ande ko hombo wadi honnun ko hondo mbudi ita dun non ko maari memmine ko na même temps kadi crime et crime de sang wadi din CNRD no doano nabbi dino mais en priorité be hikoro no yeso andi gol en ko hombe wonno e warde warabe fo parce que warabe fo
na gaboji wonano e fellede ka leedi la gidi na ka di jinna wonno yiwde ka mayo e mo wara wara yimbe ko sito yimbe wonno yettude pinkaaje lowa kure mu fewtina yimbe warabe na waanyo wonano e wadede donc cnrd onno si wadali dun do be hikki ke hendagol mbudi gogo tawide ngandi wiwde jungo kanyo messi alpha konde no baawo mudum regle gol contre bembe wandi wujjimo kala ben kaadir be wandi jafike mo dum don ngide ngedi film on konto ne yaade mais en même temps kanyum kadi wiwde gogo nay wadede do no wayi darade si tay fo en joni dire joode donc mi fewta kanyum member be wombe ben ka rpg arc-en-ciel andinabe ko woni hebude men kon nun hankin ko do woni be hebude do se joni dal no joode ko ko hebunoben hecchanki men jali ko dum hebi men hankin ko dum wari ko be jali men kadi non ka hankin hande kadi mede wawnobe jalde en accirai ni non jale de ngala jali dirde hande kadi wamo lumbali wata jalu yolido joni dire joode wari nge fo murandu wotru hande adversaire meden on ko system on na lay mamadi inete na amara o inete na sadiba o yete ina na bala samura o yete system on den gerdude mum on ko yimbe tawbe be decidi be gerata leydi men di yara yeso be decidi be wonay do toujours e tele gidugol hara hunde yeyta ndare tun kala andobe men no gasa wi o documentaire premier étudiant be hebino ben ka université université Gamal Abdel Nasser o yi hari wonnobe der ton enseignant be ben ko bonninobe hari teniji wonnobe jangude der ton men ko bornanobe teniji hari ontuma formation militaire hari ko obligatoire o yi non CNRD on bay be hari do tawno be imino be be wadi di retraite mabbe do non sika ko mere be bornenobe ministre be chef de cabinet be e secrétariat général be bornenobe teni ko même système c ko woni ko atti si don fala wala ni di si don fala ole ko système c ko imi atti do onno système c ko arti be mabbe ko nostalgique be ko ardube idée wonde ma leydi ni ndi yarata yeso ko ardube idée wonde ma be vanzoto ko be wada ko ardube idée yube be nkari wawata wadde ko ko ardube idée wonde ma ko kambe tun goddo go wata memude goddo donc règlement de compte ji fokki tadi do di ko se fo en jonni ndiri joode woni hunde wotere ngo jippiro ngo wadde do ko der balde didi haray ngo gayni fiyonu CNRD on be ala mbudi be fotta be ala dole be ala stratégie ko be jogino kon fop be fokki dire mudum be fop be jamfike be ay goto be haldale makko goddum be hunni goddo non so woni mo hunnata adi ay o mo haldide mum o mo golide mum ko mbo accata ala mi tori galla e wodum bal